Eh bien, c'est tout le monde, ici le Gun 7218, on se retrouve sur l'épisode 3 du Let's Play de Beyond Two Souls. On s'était quitté la dernière fois, bien sûr, sur Nathan qui voulait qu'on aide les militaires ou je sais pas, l'armée, quoi, pour tout simplement détruire, je sais plus comment ils appellent ça, une machine qui permet de relier le monde réel au monde des entités, des spectres, quoi. Et notre mission va être tout simplement de l'éteindre, parce que sinon ça va foutre le chaos, ça va tuer tout le monde, et on n'a pas envie que ça tue tout le monde. Voilà. Essayons de rentrer maintenant. Ok, ça bouge pas. Autour de Raiden. Fais-le dégager, je t'aide. Ah. Sans Raiden, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on y va. Waouh. Je crois qu'ils veulent nous achever là. Ah, je confirme, ils veulent nous achever. Il faut s'en aller. Oh, bon. Non. 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 Putain de merde. Quoi? Fallait faire quoi d'autre? L1 R1. Bah c'est tout. Je vois pas où était le problème. C'est pas grave. Le condenseur est proche. Ah voilà, le condenseur. J'arrive à sentir l'écho de l'autre côté. Voilà, je trouvais pas le mot. Il suffit d'y aller tout doucement. On peut peut-être passer sans se faire repérer. La la la. La la la. Soyons discrets, voulez-vous? Parce que même s'ils sont morts, ils peuvent revivre à cause des spectres. Alors, essayons d'être un minimum discret, quoi. Il me faut un passe. Et merde. Qui a un passe ici, bordel? Quoi, lui il a un passe? Non. Ah, bien sûr, c'est dans les trucs les plus chiants et durs. T'as pas de passe, toi non plus. Toi, t'en as un. Je suis désolé, mais j'en ai besoin. Merci. Ah merde. Lâche-moi. Non. Lâchez-moi. Allez. Ouvre la porte. Ouvre. Allez. J'ai besoin d'aide tout de suite. Pas de problème, je vais t'aider. Ouvre-toi, puis j'appelle. Allez. Allez. Il y en a un paquet, hein. Ouvre-toi,
Magnifique. Bon bah se le faire en discret, ça a pas été si facile que ça. Allez, on avance. On doit aller se l'éteindre, ce putain de condenseur. Ah ouais, je confirme, c'est vraiment un portail, quoi. En espérant que ça va l'éteindre. En espérant, plutôt. Oh. Regardez tous les esprits démoniaques qui arrivent. Ils l'ont fait. Un passage vers l'autre côté. Allons vers l'autre console. Il y a peut-être moyen de l'éteindre si on y va là-bas. En espérant, hein, bien sûr. Je vais foncer jusqu'à la console. Je cours et toi tu me protèges des entités, d'accord? C'est parti. Ça, il va avoir de l'action là, mes amis. Protège-moi! Allez, monte! On court! Aidez-moi! Oh! Allez, lève-toi! Allez! Lève-toi, bouge! Vas-y, c'est bon. Allez, on court, on court, on court, on court. Ok. Là, ça lag un peu. Allez, allez, il faut continuer, il faut continuer. Faut l'éteindre.
Tiens. Ouah. Personne ne s'en prend à elle. Allez, faut vite y aller. Au coup, on peut y arriver. Éteins-le. Merde, je crois qu'on est dans la merde. Putain. Aiden, est-ce que t'es là? On a réussi notre mission, mes amis. On a sauvé le monde. Jody. Oh. Je n'aurais jamais dû t'envoyer là-dedans, c'est ma faute. Tout est de ma faute. Bon sang, j'ai tellement eu peur de t'avoir perdu. Ne les laisse plus jamais faire ça. S'ils ouvrent un passage, il ne restera plus rien. Et voilà, la mission est accomplie. Ce qui est assez chaud à comprendre des fois, c'est que comme les séquences sont tous mélangées, sans même expliquer pourquoi, ce qu'elle devient comme ça et tout, bah, sur le coup, on comprend pas, mais à force de faire le jeu, on comprend, parce que c'est bête, mais c'est vers les fins, vers la fin du jeu, enfin, vers un petit peu plus loin que le milieu. C'est là qu'il nous montre les séquences qu'on a perdues. C'est assez dur à expliquer, mais les séquences qui étaient importantes pour nous expliquer comment est-ce qu'elle est devenue comme ça, bah, il nous les explique que vers les fins. Et là, il nous lance tout d'une fois, et on comprend rien. C'est fait exprès, hein. L'histoire est faite pour qu'on ne la comprenne pas, et que vers les fins, on se dit, waouh, c'était comme ça, alors. Et c'est pour ça qu'elle est devenue comme ça, et blablabla. Mais franchement, c'est une très très bonne histoire.
Regardez là maintenant, Jodie est devenue une sans-abri. Et après, vous allez me dire, mais pourquoi? Ah ben ouais, c'est ça le truc. Pourquoi? Le jeu a été fait exprès pour qu'on se demande toutes ces questions. Ouais, c'est plutôt bien. Bon, je suis un peu dans la merde là, j'ai froid. J'ai pas d'argent. C'est super. C'est trop bien. Allez, vite au téléphone. Je dois sonner à Nathan. Voilà. Alors quand elle disait qu'il y en avait plein partout, bah c'était ça. C'est les esprits démoniaques là. Je sais pas pourquoi ils veulent quoi. Ils veulent. Je sais pas. Pas du tout. Hein? Tu dois la regarder, tu dois la sauver. Ça, c'était une vision du futur. Pour ceux qui ne comprennent pas. Je commençais à croire que tu te réveillerais pas. Où est-ce qu'on est? T'es chez moi, petite. Pas très luxueux, mais... T'es calme. Je t'ai trouvé dans la rue, il y a quelques jours. T'étais mal en point. Vous vous êtes occupé de moi? Bah, tu parles, il fallait bien. J'allais pas te laisser là, crever comme un chien dans la rue. Je m'appelle Stan. Et toi? Jody. Bienvenue dans le monde des vivants, Jody. J'aime avoir de la compagnie de temps en temps. Tu veux du café? Fort, il a un sale goût, mais t'as pas chaud froid. Merci. Attention, c'est chaud. Ça
fait longtemps que t'es à la rue, petite. Quelques semaines. Un truc comme ça. Ça fait 3 ans pour moi. Tiens, 3 ans. Je sais pas combien de fois j'ai failli disjoncter, devenir complètement fou. Mais faut croire qu'on s'habitue à tout. Même à vivre avec rien. Tu fuis quelqu'un ? Tes parents ? Ton petit ami ? Un truc comme ça ? Non. La vérité. Non, rien de tout ça. Des problèmes avec la loi, hein ? Bah, ça me regarde pas, de toute façon. Voilà, ça te regarde pas ? Du moment que t'as tué personne, pas de soucis. J'ai tué quelqu'un. Alors ça te pose un problème ? T'as un endroit où aller ? Non. Je compte rester ici et te voler toute ta nourriture. La famille ? Non, ils sont morts. Ou des proches ? Non, c'est des connards. Mes parents, ils vivent à New York, alors je peux toujours y retourner. C'est ça, ouais. Reste ici si tu veux. J'ai pas grand chose, mais. Ce qui est à moi est à toi. Merci. Je vais sortir. J'en ai envie. Je vais me suicider. La vie est injuste. Elle ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en ai marre de la vie. Hé petite, on n'a plus rien à manger. On n'a plus rien du tout. On passe quelque chose. Tu veux voir comment ça marche ici ? Ouais, j'arrive. Comment elle est moche là, putain. Elle a pas l'air bien. Alors bon, ben là malheureusement elle vit la vie d'un SDF. Et il va falloir qu'elle chope un peu d'argent quoi. Mais comment ? C'est déjà quoi ? $5, et ça c'est pour un truc chaud. Mets-toi ici. Peut-être qu'avec le froid, les gens seront plus généreux. Je ne reste pas avec toi. Je crois que ça sert à rien qu'on reste tous les deux au même endroit. Je vais aller essayer par là. Ouais. Bonne chance. Faut que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Tout à l'heure. Qu'on peut faire là avec les boîtes aux lettres. Enfin, c'est des boîtes aux lettres, je pense, non ? C'est quoi ? Oh, de l'argent ! Vas-y, on emmerde la loi, on prend tout.
Vous auriez quelque chose? N'importe quoi. Barre-toi. Pas de clodo ici. Je vous en supplie. Pitié. Pitié, j'ai froid. Et je... Allez, fous-moi le camp d'ici avant que j'appelle la police. Les gens sont très méchants. Dis donc, chérie. Tu veux gagner quelques dollars? Je peux peut-être t'aider. Qu'est-ce que je dois faire? Par exemple, je te rends un service. Et tu me rends un service. 10 dollars pour toi. Viens avec moi en arrière. 10 dollars? Ok. Super. Allez, chérie, suis-moi. Je ne le sens pas ce coup-ci. Ça sent vraiment mauvais là, ce que j'ai accepté. J'espère qu'il n'y arrivera à rien. Non. Non, je peux pas. Non? Comment ça, non? Je sais pas ce que ça veut dire, non? Écoute-moi bien, chérie. Tu vas le faire et tu vas aimer ça. À moins que tu veuilles me mettre vraiment de mauvais poils. Tu vas crever? Ne lui fais pas de mal. Je ne sais pas partir cette pourriture. Non. Salaud. Dégage, salaud. De gagner de l'argent, c'était limite si je devais me prostituer pour en gagner. On trouvera quelque chose d'autre. Utilisons la vapeur pour se réchauffer un peu. C'est bien de se réchauffer de temps en temps. Salut mon pote. C'est ta guitare? Ouais. J'ai failli me geler les doigts tout à l'heure en essayant de jouer avec ce froid glacial. Tu veux essayer? Te gêne pas. Ok, merci. Through the bone, make it hard to leave you alone. I'd leave you here, wearing your wounds, waving your guns at somebody new. Oh,
Merci pour la guitare, très jolie chanson. D'ailleurs, elle chante très bien. Je récolte ma thune. Merci. C'est bon, on a nos thunes, on peut rentrer. On a assez. Je vais aller voir comment va Stan. Avec une guitare et... Je joue de la guitare, alors... Enfin, je me suis fait quelques dollars. Oh, waouh, c'est génial. C'est vraiment génial. Reste ici. Je vais nous chercher à manger. Je vais aller les défoncer, défoncer, on touche pas à mon ami. Reculez, je vous ferai pas de mal. Regardez, on dirait que ce putain de Clodo a une petite copine. Pimside, on va te montrer ce qu'on fait aux raclés pour ton genre qui squatte dans nos rues. Petite garce. Voilà. Comment moi je réagis à mon sens. Maintenant, vous allez goûter. T'as peut-être les clochards. Mais tu sais pas que je suis pas un clochard, moi. J'ai fait l'armée. Ces mecs. Et t'étais toute seule. Oh, quatre losers. Ils savaient pas se battre. Allez, on ferait mieux de se tirer avant. Ok. Oh. C'est comme ça qu'on finit les histoires. Allez, allons manger avec nos amis. Nos nouveaux amis. Allez, Judy, viens te servir. Eh, j'ai même un peu de chocolat en dessert. Du chocolat? Ça fait tellement longtemps que je sais même plus le goût que ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Stan? Je me suis battu. Et sans Judy, j'y serais resté. Vous auriez dû voir ça.
Ils étaient quatre contre nous. Je dis leur poté le cul. C'est pour quand ton bébé? Le mois prochain. Ça fait des jours que je l'ai pas sentie. J'espère qu'elle va bien. Son petit ami l'a tabassé. Il voulait pas du bébé. Il l'aurait sûrement tué. Putain. Tu connais ces gars? Ouais, je les ai déjà vus. Ces gosses, ils viennent là pour tabasser du clodo. Ils se filment avec leur téléphone. J'imagine qu'ils font ça pour la femme. Ils font les malins devant leur porte. Sacrée bande d'enfoirés. Ils m'ont eu un jour. Moi, je suis toujours parmi. Walter, comment t'es arrivé ici? Ben, j'étais prof dans un lycée. Jusqu'à ce que je puisse plus rembourser mon prêt. J'ai perdu ma maison, mon job, tous mes amis. Et je me suis retrouvé dans ce cul-de-sac. Tuesday. Ça te vient d'où, ce nom? C'est le jour où je suis partie. Le début de ma nouvelle vie. Et toi, alors, Jody? Tu nous as presque rien dit sur toi. Alors, comment est-ce que tu as fini dans la rue? J'ai fait des choses dont je suis pas fière. Jusqu'à ce que je comprenne qu'on se servait de moi. Je sais que ça va paraître très étrange, mais je suis différente. Et ça a foutu toute ma vie en l'air. T'as dit que t'étais différente, Jody. Comment ça? Je suis née avec un don. Oh, ce qu'ils appellent un don. Mais c'est une malédiction. Ça m'a gâché la vie. Ça a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Un monstre. Une erreur. Quelqu'un que je déteste. Je dirais que Jimmy n'est pas le seul à avoir un problème de calme. Oh, le lag. Tuesday. Tu veux savoir comment va ton bébé? Donne-moi tes mains. Je le sais. Je l'ai vu. Et voilà mon don. Moi j'ai un don, bande d'enfoirés. Par contre, elle fait peur, je trouve. Regardez. Qui c'est censé être ça, sérieux? Regardez, parce que c'est un esprit, parce que si je désactive mon truc, elle est là. Elle est plus là, là. Je me demande vraiment qui c'est, elle. Ça doit forcément être quelqu'un. Moi, je vais aller retrouver ma boisson préférée. Merci pour la bouffe, les gars.
Je vais aller m'allonger. Bonne nuit, tout le monde. Dormez bien. Tuesday ? Est-ce que... Elle a des contractions. Il faut une ambulance ! Il nous faut carrément un hôpital ! Non ! Non ! Non, pas à l'hôpital ! Ah ! Ils vont prendre mon bébé ! Non ! Personne ne prendra mon bébé ! Réfléchis une seconde, ma fille ! Mais on n'a rien ici ! On n'a pas de couverture, d'eau chaude ! On n'a que dalle ! Mon bébé ! Non, je veux pas que mon bébé meure. Attends, calme-toi. Calme-toi. On va trouver un truc. Ok, ok, Jimmy. Au bout de la rue, il y a un bâtiment abandonné. Essaie d'y entrer. Allez, j'y vais. Phil. Walter, tu vas rester ici avec Tuesday, ok? Johnny, suis-moi. On va chercher tout ce qu'il nous faut. Et toi, tu retiens ce bébé jusqu'à ce qu'on revienne, ok? Oui, je sais. Mais je vous préviens, vous avez intérêt à vous grouiller. Bon, on va se quitter là-dessus, mes amis. Je mets pause, on sait jamais, parce que c'est un jeu que c'est pas comme tout ce qui est GTA ou des trucs comme ça, où là, quand la mission est terminée, on est tranquille, on peut être 40 minutes sans rien faire. Mais là, je vais dire, il n'y a pas vraiment de pause quand on regarde bien. C'est toujours la course. Alors, je préfère mettre pause, on sait jamais ce qui pourra arriver. Qui sait que Tuesday après un problème, bon, on sait jamais ce qui peut toujours arriver. Mais ce jeu est vraiment magnifique. Voilà, bah, c'était la fin de l'épisode 3 du Let's Play de Beyond Two Souls. Qu'est-ce que j'allais dire un autre nom. Je me suis embrouillé là. J'espère que, bah, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas de le partager, de vous abonner, le commenter, mettre un petit j'aime. Et bien sûr, le partager ou le mettre dans vos favoris. Tout simplement, voilà, vous partagez à vos amis sur Facebook ou je sais pas quoi. Ou des amis, tout simplement. Voilà, ça peut être toujours sympa. Et c'est très sympathique de votre part, voilà, si vous le faites. Et on se retrouvera pour les prochains Let's Play qui arrivent sur ma chaîne. Les prochains qui arrivent fin octobre. Et bien sûr, ceux qui sont toujours en cours, comme Beyond Two Souls, Outlast, etc. Bon, il y en a plein, quoi. Voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. On se retrouvera à la prochaine pour une prochaine aventure, mes amis. Prenez bien soin de vous et salut tout le monde.